Il a de l'espace, hein, ce cher Benji. Hein. Au moins, pour une fois, la transition sera accurate. Et les gars, vraiment, si j'appuie sur transition et que ça me fait tout, sauf le bon truc, hop, aspifouette Benji, évidemment. C'est bon, ils peuvent lancer. Donc à voir un petit peu ce que ça donnera. Je suis un peu étonné quand même de ce que ça... Je rêve que ça nous vend. Je suis un peu étonné de ce que ça nous vend, mais écoutez, est-ce qu'on choisit vraiment, en tout cas du côté de Spifort, on a déjà trouvé 47%, l'attaque Spalutena, on connaît. Spifort, oh, putain j'avais pas vu le rename. Pour le chercher à ton shield, bien correctement du côté de Spifort, on a pris le temps d'analyser un petit peu son adversaire pendant la séance de cast. On trouve un donner, pas de backer, c'est un peu dommage, mais voilà, on maintient la position, on essaie de frame trap, on se reverse, pense à Uber. C'est un petit peu dommage, le forwarder qui ne connectera pas du côté de Dark Samus. Je pense qu'on a tenté un 7 bits du côté d'Aspifouette, c'est un peu dommage. Je pense que c'était pas trop le moment pour taper un 7 bits. On revient tranquille, on fait attention à 7. Bon, on trouve un nerf, double nerf. Attention, 87%, on a essayé de gimp avec ce runner. On retrouve un runner, on se place, on fait attention du côté d'Aspifouette. On sait que Samus, même si ça craint le corner, c'est un personnage qui peut te reverse sur n'importe quoi. On fait très attention. 7 forwarder ici du côté d'Aspifouette. On fait attention, on revient tranquillement, le smash. Et on trouve la stock du côté Benji. Alors par contre c'est un peu dommage que du côté d'Aspifot, il avait vraiment le lead, il avait beaucoup de choses et c'est un peu dommage ici qu'il l'ait perdu. On retrouve, voilà, très bien vu, très très bien vu ici de la part d'Aspifot. On donne trop, on sait que le backer est pas trop, on attend, on en remet un et là par contre il est trop. Bien touché de la part de Benji, ça reset neutral, ça met peanut un petit peu en pourcent, c'est un peu dommage. On trouve le nerf, encore, repère, 40%, renerf, 52%, neutral beast, 65%, dot tilt, dash attack, 85%, il est sur une instru, notre Spifoiti, sur une excellente instru, spot dodge ici, très bien vu, très 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 bien vu cette interaction. On sait que Samus à l'edge, ça a beaucoup moins d'options, on sait que le grab est très facile à voir venir, donc qu'est-ce qu'on a fait, on a spot dodge, on a roll derrière. Attention ici par contre, il faudrait attention de ne pas trop agresser ce shield, hein. On a quand même perdu la première stock un petit peu là-dessus, le forward, le side B 635%, par contre il faut tuer du côté de Palutena, le ledge trump backer qui aurait été tenté, ça ne touchera pas malheureusement, le forwarder ici 647%, side B encore une fois, on maintient la position, on essaye de backer un petit peu cette Samus, on trouve ce forwarder du côté de Benji, Benji qui pour le moment est sur... Réussi à non seulement réussir à plutôt bien reset neutral, mais plutôt bien reset la situation tout court. On a tenté un zer. 97%, on fait attention. On accepte la bombe. On revient tranquille. On accepte encore la bombe. On sait qu'on peut pas faire grand chose. On mix up ici. On saute sur le down smash. Contre la dash attack, ça ne tue toujours pas le side B. Benji qui a air dodge beaucoup trop tôt. Benji qui a air dodge un petit peu tôt. On est mort. 120% de mine de rien du côté d'Aspifouette. On revient tranquillement. On fait attention. Voilà, nerf. Nerf, upper, 30% de trouver, on attend, Dragdarn upper, pas de conversion. Le sage, le... Oh! Oh! Ah! Ah! Alors là, par contre, Aspi, il a placé une dinguerie, les gars. Il nous a placé une dinguerie. Et vous osez dire que Palu c'est lame, les gars? Non, vraiment. Premier degré, les gars. Vous aussi dire que Palu c'est lame. Je pense qu'on n'a pas la même Palu. Hein. On n'a pas la même Palu. Ça banne Smashville, destination finale traversée de la Light hein, du côté de SPFOT. On reste sur les mêmes bannes. Ça part sur HB du côté de Benji. On part sur HB évidemment. Alors évidemment je ne règle pas le terrain pour une raison toute bête, hein. Bah ça se règle pas. Et donc on switch sur Samus cette fois-ci. On trouve le upper. Pas de grosse conversion, hein. Ça reste plutôt neutral. Ici attention du côté de Benji, on a réussi à choper le stage control. On trouve un nerf du côté de Spiff, ouais. Double nerf, triple nerf, forward air, 48%, on rattrape un petit peu. Mais attends, trouve le side BC pour pas se faire malaxé sur cette tentative de reset neutral par Benji. Par contre Benji, voilà, c'est pas parce que vous l'empêchez de reset neutral qu'il va pas vous en mettre la sauce pour autant. On trouve mine de rien quelques petits confirmes. Et là par contre Benji il mène clairement sur les pourcents. Et mine de rien Samus qui mène sur les pourcents. Et sur le terrain c'est compliqué. On trouve le nerf backer hein, du côté de Aspifouette. On fait attention ici, attention à ce zer.
monstrueusement fort. Attention à ce B. Là par contre ça peut devenir bit compliqué. Ça peut devenir très compliqué. Forward air. Forward air, pas de back air. On trouve le down smash. Je pense qu'il y a un smash reverse en vrai. Ouais mais après fallait le read. Fallait le read. Fallait le read. Donne trop, pas de back air. C'est un peu dommage. Le nerf ici qui ne chope pas en gimmick. On retrouve un nerf. Drag down nerf même. Pardon, excusez-moi. Back throw, pas de side B qui touchera en le. Let's run back air qui passera pas non plus. On trouve la done throw, pas de back air. On n'arrive pas à trouver les done throw back air du côté d'Aspi. Il faut être 136 à 141. Il faut tuer des deux côtés. Il faut tuer vite. Il faut tuer bien. On n'arrive pas à trouver ce forward air ici qui permettra de prendre la stock sur Aspifouette. On rappelle Aspifouette, c'est un personnage. Enfin, pas Aspifouette, pardon, pas Lutena. Oui, pas Lutena joue Aspifouette en fait, vous ne saviez pas. Aspifouette qui joue un personnage qui est quand même pas non plus extrêmement lourd. A l'inverse de Benji, le up tilt, tu drag d'un air up tilt. On rappelle, c'est à confirmer. 25% de retard seulement, ça se rattrape. On joue pas Lutena, on le rappelle. On trouve un air, deux nerfs, trois nerfs. Pas de forward air ici, mais on a rattrapé les pourcents. On trouve un quatrième nerf. Le ledge trap hein, évidemment du côté de Aspifouette. On fait attention du côté de Benji à bien retomber sur le bord du terrain afin que Putain, Benji était lourd. Non mais il le sait qu'il est lourd et chiant. C'est bon, il n'y a pas besoin de le rajouter. En tout cas, pendant que je suis en train de plaisantouiller avec le chat, de faire mes petites vannes de saltabanque, on a notre cher Aspifouette qui est en train de se faire un plus ou moins malaxé. 90-110. Voilà, on trouve cette back throw ici, 66%, on reset le terrain, on réussit à même reflect, trouver le temps de reflect ce missile. C'est un peu dommage qu'on se fasse ce reverse là-dessus, plus que dommage. Neutral P trouvé du côté de Benji. Relais bombe, hein. Et là par contre, Aspifouette, alors Aspifouette il a vanné fort. Alors, genre Miss, je sais que t'es là, Miss, tu clips ce passage. Parce que je sais qu'Aspi s'est moqué de Yo-Yo. Oh, ça tue pas, évidemment, c'est pas lui. Mais ouais, j'ai dit. Miss, tu clips ce passage. Genre où il s'est fait l'échappe par Benji. Parce qu'il s'est moqué de Yo-Yo parce qu'il se faisait l'échappe par Benji. Sauf que là, il vient de se passer exactement la même chose. Tu clips, s'il te plaît. On trouve la dash attack de Benji. Benji qui est très 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 bien sur une excellente instru. On a une ride un petit peu présomptueuse hein, par contre. Hein. C'était pas la ride à faire, c'était vraiment pas le moment de la placer. Dotted back air. Très bien vu le side B évidemment qui sera évité avec succès. Le donner qui permet de reset le trap tranquillement. Du côté de Benji, on trouve le back air. Du côté d'Aspifouette, on maintient la position. On revient tranquillement. Attention ici, on retente un down tilt. Ça ne touchera pas. La F throw, j'aurais pensé à une up throw ici plutôt perso. Double hein, évidemment, la double petite bombe, le petit. Aïe, ouais, celui qui répare son perso. Normalement, il me semble que si t'appuies maintenant sur l'option clip, sur ça dépend en fait, t'es sur PC ou t'es sur. Au pire, ce que tu fais, c'est que tu tweets carrément. Tweet sur lui, pas trop. Téléphone. c'est bon. Hein? Oh, let's go, j'ai mon Chapka qui a fait top 8. C'est quoi, Chapka? T'as mérité un deuxième Ricard. Ouais, c'est bon. Ouais, non, parce que c'est bon, il y a du Ricard au reboot, les gars. Je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Par contre, là, ici, game 3. Pendant que je suis en train de rigoler, hein. Avec ce cher Chapka du côté de Aspifouette, on retrouve 35%, 41%. Alors, par contre, depuis tout à l'heure, vous remarquerez que Aspi, début de game, il trouve des super bonnes conversions. Et après, il touche plus. Et juste après, il touche plus, vous remarquerez. Vous remarquerez, hein. On trouve le back air hein, du côté d'Aspifouette. On revient tranquillement du côté Samus, 99%. Ça peut être dangereux. On a tenté un grab un petit peu beaucoup présomptueux hein, de la part d'Aspifouette. Faire attention, le jab grab qui ne passera pas. On sait que ça peut arriver du côté d'Aspifouette. Qu'est-ce qu'on a fait? On a jump. Le side B qui ne passera pas les missiles. Alors, ça, par contre, c'est triste. Hein. Le side B de Samus qui dure. Enfin, de Palu. Genre. Incroyablement longtemps et qui ne tue pas. Enfin, qui ne chope pas les missiles, c'est un peu triste. On fait attention. Le père qui passe la bombe. Oh, ça, c'est intéressant ça. C'est intéressant à savoir. En tout cas, du côté d'Aspifouette, on est toujours en position intéressante. 98 à 150. Mais faut tuer, on rappelle pas Lutena, ça peut avoir du mal à tuer si on trouve pas les kill moves à avoir, genre le back air, la dash attack, tout ça. Et on rappelle que Samus à l'inverse, bah voilà, genre typiquement le charshot ici, heureusement qu'on est sur SBF parce que sinon ça tuait
fait attention. Heureusement qu'on a ride d'un don. Je sais pas si c'est une ride de Don Smash ou c'est juste Benji qui s'est mal positionné. En tout cas, on trouve la stock hein, du côté de Benji, on s'en fiche un petit peu. 56%. Le don, on n'arrive pas à trouver ses confirmes hein, du côté de Aspifouette, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, on trouve la dash attaque. Et le FT, hein, bien sûr, bien vu. Par contre, on a toujours pris 33% et on a bien vu sur la game 2 que 33% de retard contre Medji. Ouais, ça peut jouer, même beaucoup jouer, 68%. On est presque dans les pourcents magiques côté d'Aspifouette. Malheureusement, je ne pense pas qu'on réussisse à les avoir. 78, 93, backer du côté de Benji. Est-ce que Benji réussirait-il pas? Par contre, voilà, on a balancé un down smash. Alors, je vais pas comprendre ce down smash. Et on se fait reverse un petit peu à cause de ça. Hein, par Aspifouette, Aspifouette qui trouve 41 magnifiques pourcents. Le nerf ici qui trade. Pourquoi pas? Un dash, hein. On trouvera pas un dash par contre, donc un jab, la up trop pardon qui tue, hein. Si ça ne jouait pas je revendais mon jeu. Et on a une stack de retard hein, du côté de Aspifouette, ça peut vite devenir compliqué à remonter. On retrouve la stock hein, du côté d'Aspifouette, even pourcent, even stock. Mais position, l'avantage de Aspifouette, on trouve le nerf ici, on n'a pas maintenu le chien hein, du côté de Benji. Runner, forward air, 34%, attention ici, voilà, forward air pour essayer de pas se faire. Forward air, le back air, le side B qui ne touchera pas sur la dernière, vraiment la toute dernière frame. Nerf, dash attack, hein, bien sûr, du côté de Benji, on retrouve un vous m'avez compris, mais on se reprend un petit peu la sauce. Attention du côté d'Aspifouette à ne pas aller edgeguard pour rien, parce qu'on se fait depuis tout à l'heure, on se fait un petit peu reverse là dessus. 97%, vaut mieux maintenir un drapeau. Voilà, on reverse tranquillement les missiles. Le dodge qui sera pas trouvé, mais voilà, on réussit à contrer ce charge shot 20% non chargé grâce à ce FT. Et le backer magnifique. Et Aspifouette là, il est sur une instru, mais il est sur un instru. Benji qui est déçu. Benji qui est déçu, ça se voit. Après, ça se comprend. Ça se comprend. Benji, en vrai, ça se comprend qu'il soit déçu. Moi, je m'appelle Benji, je suis déçu. Je comprends un petit peu. On banne toujours les mêmes hein, du côté d'Aspifouette. Toujours des F. Ah non, on a banni Forteresse cette fois-ci. Pas banni la Lilat. Alors, est-ce que ça serait. C'est ma tech. On part sur PS2 évidemment, la classique, mais est-ce que ça serait pas parce que Aspi s'est dit j'ai pas envie de me faire est-ce que ça serait parce que Aspi a envie de tout frame plus facilement par rapport à l'épaisseur du terrain, je ne sais pas. Non, c'est plutôt ça. On repart bien sûr, donc cette fois c'est sur PS2 la classico qu'on n'a pas tant vu que ça ce soir hein. Étrangement, c'est vraiment le genre de map qu'on voit au moins une fois par set. Et cette fois-ci, ce soir, on l'a pas vu tant que ça. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, ça fait un peu de diversité pour une fois. On trouve le forward air du côté de Benji. On a pris 58%, mais on trouve le forward air. On trouve le nerf d'âge forward air hein, du côté de Aspi. 74 à 35%. On réussit à maintenir un petit peu son avantage. Reset neutral du côté de Benji. Forward air, le F-Tit qui ne connectera pas, c'est un peu dommage. Cette dash attack, le back air, 119. Le side B qui ne touchera pas, elle est encore de pas grand chose. Forward air du côté de Benji, reset neutral, on prend son temps, mais non malheureusement on n'a pas le temps. Aspifouette qui remaintient sa pression. On retrouve le hitbox, c'est trop fort, ce side B qui permet de prendre sa stock et seulement 46% de retard. Mine de rien sur PS2. J'insiste sur le PS2. C'est pas tant de retard que ça. Genre, en vrai de vrai, vous êtes sur PS2, vous jouez contre Samus, vous avez. Bon après il a 72%. Là il a pris un petit peu. Mais 46% de retard de base, genre en vrai c'est pas si mauvais que ça. On réussit à trouver ce. Voilà. Et... What? Genre le contre. Ah alors il a repoussé le. Il a repoussé le missile, mais il a aussi protégé Aspifouette. Attention ici. Je ne pense pas que le Don Smash était vraiment à faire. Il était peut-être un petit peu en trop. Ou la bague trop du côté Benji. 101% à 26%. On n'a pas tant de retard que ça. Il faut réussir à trouver le setup qui fera la différence. Le charge-shot qui sera reflect. Bien vu de la part d'Aspifouette. On retrouve sur sa bille. Là par contre, du côté d'Aspifouette, on est non seulement en train de rattraper un petit peu les pourcents, mais surtout on est en train de prendre de l'avance. Le B qui ne tue pas à Bondia du côté d'SP fois 142%. Il faut tuer du côté de Benji. Il faut tuer, il faut trouver la conversion, la back 311%.
Est-ce qu'on serait pas sur une deuxième stock de trouver du côté d'Esprit Fouette sans l'espoir de Benji? Et ben, nous le saurons dans le prochain épisode. Attention, ce soir, on fait très attention. Très attention côté Esprit Fouette. On fait très attention. On maintient la position. On respecte un petit peu les options de ce joueur de Samus. On trouve ce forwarder. Mais évidemment, on a 122% d'avance. 122% d'avance, mine de rien, c'est immense. On réussit à trouver ce forwarder. Donne trop. Pas de nerf, malheureusement. On trouve le charge shot. Cela dit, on rattrape 55%. Le nerf extra fera punir par une back throw. On trouve la stock du côté de SP. Il faut 55% d'avance plus une stock. On est très bien. On est en excellente posture de la part du joueur de Palutena. On trouve la donne trop. Le père. Repère. On attend patiemment. Forwarder. Attention, on a essayé de ledge trump ici. Le Dunsick un petit peu présomptueux, mais on a de l'avance, on peut se le permettre. On retrouve la back through ici, toujours du côté d'Aspi Fouette. Le Dunsick ici qui a été tenté, on reprend la position tranquillement, on tente des backers, on essaie de maintenir son avantage. On trouve la dash attack out shit sur ce jab 2. Upper ici malheureusement n'a pas réagi assez vite, je ne sais pas si c'est parce qu'il a raté ce reverse grab. Ou si c'est vraiment juste qu'il n'a pas réagi assez vite, mais en tout cas il a pris ce up big, il a reverse drastiquement. 114 à 93, mon reverse ce même adversaire Benji. Est-ce qu'on serait pas sur un train de la part d'un spé fouette? Le nerf ici qui gimp, l'air dodge de trop de la part de Benji. Et on trouve cette quatrième game 3-1 pour ce cher spé fouette.